Je suis un géant de papier. Je suis un géant de papier. Je t'aime. Vraiment? Tu sais bien, Lorraine. Tu es la seule femme qui vit pour mon cœur. Quand je suis avec toi, je suis comme... Chut, maman, que ça va? Allô? Oui, mamie? Ouais, ça va? Oui? D'accord. D'accord. À tout à l'heure. Je suis désolée, je ne vais pas rester plus longtemps. Mais je vais retourner, d'accord? Je fais quelque chose pour ma maman et puis je retourne. Vas-y, attends-moi, ok? Ça suffit. Ne te rien, je ne laisse pas aller. J'ai quelqu'un qui doit venir auprès de moi. Comment ça? Quelqu'un ne doit pas me trouver ici. Ne me dis pas que tu es en train de me parler de Leila. Sabine, je te demande de partir, Ophélie. Donc c'est ça, c'est pour elle que je dois venir, Leila. Je ne dis jamais rien caché. Tu sais très bien que Leila est la femme de ma vie. Et moi, je suis quoi? La femme de ton lit? Je t'apprécie bien, tu sais. Mais... Bertrand, je demande à ce que jour tu finiras par comprendre que Leila n'est pas la femme qu'il te faut. Pourquoi tu t'es tostée, Leila? Mais la raison est simple, non? Elle m'empêche d'obtenir ce que je désire. De savoir ce que tu désires? Toi, Bertrand, toi. Tu as tout ce que je veux dans la vie. Et si seulement tu le voulais, tout serait mieux entre nous. Et je te garantis avec moi, tu vois, tout ce que tu voulais. Sabine, ça suffit. Je dois partir. Et fais-le. Comme ça, tu me mets à la porte, hein? Même lui fait Sabine la peine. Même pas de venir avec Jenny là non plus. Tu sais, ouais, où est dans la vie à mener. Yo humilié ou yo maltraité ou, mais ça pas doit faire j'en lagué. Faut qu'on rive bien haut, bien loin dans la vie. Ça c'est devoir, ça c'est destiné. Pas j'en gain l'idée pour t'abandonner. Ça c'est devoir, ça c'est destiné. Mais pas quitter moun, mettre fierté ou en bas pied. Ça c'est devoir, ça c'est destiné. Laisse ça si vous gardez, ouais bien. Que je mets un poil l'ouvrir. Ouais, va comprendre, faut bataille pour vivre pour. Si c'est moi si vous parlez quoi. Gardez dans le cœur, ouais. Si vous voulez lumière, c'est bataille pour sortir. Non, fais noir.
Claudette, je ne suis disponible pour personne, d'accord? Mademoiselle Leila, mademoiselle Patricia Perello, oui. Allô? Bonjour. C'est qui est-ce qui a demandé pour lui, s'il vous plaît? Monsieur Bertrand? Mademoiselle Leila, voilà, non? Ok? Bye bye. Ah, traca, papa. Pour nous, on n'a pas de travail pour faire. Pour nous, on même les métaux pour faire mentir pour les tout. J'ai une fille avec qui, mais. Regarde encore. Allez, ouais. Quel clash, mon cher, oui, mangez. Bon. Jean-Madame Hélène, c'est vite dit à tout le monde, ça. Vous avez un état, ça. Allez, mademoiselle Hélène. Voilà. Mademoiselle Hélène, seulement qui est là. Mademoiselle Moïra. Mademoiselle, il a un bon problème. Oui, ça dit ça, Fédère. Ou elle entre là bien mauvais et puis dans la chambre, il ferme. Ok, merci. Pourquoi est-ce que tu pleures? Calme-toi, explique-moi ce qui se passe. Je l'ai vu, moi. Il était avec une autre. Là, tu veux parler de ton petit ami? De mon ex-petite amie. Je veux plus revoir Bertrand. Plus jamais. Attends, j'essaie de comprendre. Tu as vu Bertrand avec quelqu'un d'autre, c'est ça? Oui, je l'ai vu. Il était dans son salon, il m'embrassait. Je ne comprends pas. Tu m'avais pas dit qu'il était un corps de jeu. D'accord, je vais te conter toute l'histoire. Donc, il ne t'a pas vu? Non. Je ne crois pas. C'est simple. Ne lui dis rien. Fais comme si de rien n'était et tu verras à quel point il est audacieux. Et s'il me demande pourquoi je ne suis pas retournée chez... Eh bien, tu n'as qu'à dire que tu avais un problème et que tu étais obligée de rentrer chez toi. C'est pas mal du tout comme il est. Je vais faire comme tu dis. Ok. Bonsoir. Bonjour, s'il vous plaît. Qui dois-je annoncer? C'est bien. Mettez-vous. Merci. Lève-toi, 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 oui, un jour tu verras le bout du tunnel. Marche vers
Salut. Salut. Ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé? À propos? Tu as été faire quelque chose pour ta maman et puis tu n'as jamais vu. Bon, je m'excuse. C'est juste que je croyais que je pouvais retourner chez toi. Et c'était pratiquement impossible. Tu m'as fait oublier. En effet, oui, mais j'ai pas pensé à ça et j'ai pris les doigts ici. Et. Excuse-moi. Je suis inquiète, tu sais. Tu connais ma cousine? Ta cousine? Oui. Moïra? Moïra? Super, qui est-ce que ça parle là? C'est une mode là. Qui cousine? C'est pas Moïra? Oh, c'est femme soirée, mais. Ah, mon cher, fou. Comment ça? Tu vas te calmer ma veine, man? C'est un petit vagabond, c'est pour Moïra, favori. Allez, c'est tout le monde. Pas de bon pour fréquenter, man. Ah, monsieur. Non, je ne sais pas, monsieur, il est là. Cousin, moi, je ne sais pas. Non, je ne sais pas, monsieur, il est là. C'est là qu'il permet de faire un combat comme ça, mais. On connaît plus la vie, monsieur. Non, 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 non. Ok, Maurice. À bientôt, bientôt. Ok, à bientôt. Ta cousine est vraiment jolie, tu sais. C'est vrai. C'est bizarre. Quoi? J'ai l'impression que tu n'as pas envie de me voir. Ah, mais tu trouves? Oui, David, tu es beaucoup plus jolie avec moi. C'est rien, je suis un peu fatiguée, c'est tout. Ah, Moïra, tu es belle, où vas-tu? Allez, Lise. Prie pour moi, tu comprends? Je prends note. Bye, bye, Moïra. Bye, bye. Allô? 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 Où est ton numéro, madame? C'est bon? Ah, tu peux aussi qui ton numéro. Qu'est-ce que tu m'as parlé là? Moi? Ça va? J'ai l'impression que tu as un problème, toi. Tu as quelque chose à me dire? Non, je l'ai trouvé un petit peu bizarre, c'est tout. Mmh. Ça va, c'est juste que j'ai besoin de me reposer, c'est tout. Tu l'as très bien ce matin. Ça arrive, non? Dans ce cas, je m'en vais, va te reposer. D'accord. Écoute. Merci. Tiens, c'est ton téléphone. Ah, merci, bye. Bye. Nous allons jouer. Même que maman nous toutes, ben devant je dis à t'en prie, t'en déprime, protégez-moi, t'en prie maman. Bonjour mademoiselle. Bonsoir. Vous pouvez vous déposer? Non merci, je suis presque arrivée. Pas de problème. Vous avez besoin de vous déposer? Ce n'est pas la peine, merci beaucoup. Vous habitez le quartier? Non, vous m'excusez, je suis blessée. Okay. On vous appelle quoi? Daphné. Oui. Moi, c'est Grégoire Mon. Enchanté, monsieur Mon. Château Daphné. Oui, oui. On vous appelle. Oui, oui. Je vous ai dit de m'appeler Daphné, cela ne vous suffit pas? Au revoir, monsieur Molly. Dis, monsieur Molly, d'accord, mais vous trouvez bien les Moïra? Oh, et avant même pas de connaître. Maman, toujours dit, tout le monde dit pas avant même grand héros. Mais tu sais, où est l'homme venu maintenant? C'est sauver, sauver. Monsieur, dès que tu as besoin de quelqu'un, tu parles. Pour y amener aux anges, ça. C'est ça, moi-même. Quand est-ce que tu vas faire ça, Julia? Ils sont tous des bluffeurs, les hommes. Bon, cousin, pas en l'autre, c'est pas vrai. Comme c'est assez tout bon pour y amener ménage. Mais qui ça tout le monde ça pas jambe de quoi? M'obliger à ménage? M'obliger à ménage? Mais quand même à ton âge, 22 ans.
C'est pas une question de l'âge, Gilbert. Je dis qu'il doit avoir 14 ans, mais quand ça tombe, il doit avoir 30 ans, mais il va dépendre de l'idéologie. En tout cas, moi, Gilbert Duplan, le jour mal financé, pour dire que j'ai 30 ans, ou pour qu'on remette, mais toi, t'es tout petit. Des fois, il y a une vie dans la tête, mais beaucoup de problèmes pour ça. Surtout, comme si garçon, yo gomes le connaît que yo pa gen maman avec papa et toujours pensé qu'a faut sauver les personnes en bêtise. En tout cas, mon ami qui dit bien vraiment. Qui sont ça? Jeff. Qui Jeff ça? Mon ami. Vraiment. Eh bien, il va pas besoin de temps parce que il m'a intéressé. Et ouais, l'homme va décider à faut nèg ça non seulement il doit être beau, respectueux et avoir une très bonne condition économique. J'ai pris note. Il me faudra quelqu'un de vieux, quoi. J'ai pris note. Je prends note encore. Ok. On a le petit femme. Qu'est-ce que ça, même Gilbert? Ça bon. Non, bon, ma chère, j'ai ma avant. Ok. Te permettront de gagner. Lève-toi, 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 ou lève-toi, oui, un jour tu verras le bout du tunnel, marche vers la lumière. Oh, oh. Lève-toi, 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 tu dois te battre, oui, combat, tu ne dois jamais te laisser piétiner. Ça c'est destiné. Pas j'en gagne l'idée pour t'abandonner. Ça c'est devoir, ça c'est destiné. Mais pas quitter mon, mais fierté ou en papier. Ça c'est devoir, ça c'est destiné. Dis-moi si ou pas avec quoi. Gardez nos cœurs ou ouais. Gilbert. Dis-moi. Baron, comment vous me dites merci? Merci pour qui ça? Pour tout ça fait pour moi. Pour attention que bon moi. Franchement, je ne sais pas si je peux adapter moi si vite, non? Surtout dans la situation présentée. Là, mon parent qui est tombé subitement. C'est moi qui m'oblige à quitter sans attendre. Tout ça est représenté en gros sac pour moi. Je ne pas dire que tout problème est résolu, mais je ne vais pas sentir seul. Ou même tout pour taper le chargement la caméra. C'est bagay tout mon cadre, on pas mon qui déjà me chita la caille. Maman tellement parle en pile d'eau que me préfère rester dehors. C'est pas parler en pile non Gilbert. C'est que c'est tout pas comme ça. Gagne des dangers que tu as aimé éviter pour. Oui va, on est pas en pile même. Il toujours penser c'est la génération parle là n'a vivre là. Il refuser admettre que t'as changé. Enfin. Donc à comprendre ça. Trempaille pas comme ça. Bon bal bon blague. Ouais, j'ai des sous-vêtements pour mettre en forme ma ou ta foum dans le magasin, on t'a acheté un gars, il a tout mouru sous côté moi. Ma gueule m'expliquer les pas prendre parole. Bonsoir maman. Comment est ta journée, fiston? Un peu fatigante. Mais bien. Tu prends une douche, tu manges et tu te reposes, chérie. OK maman. Où sont les filles? Elles sont dans la chambre de Céline. Papi! Oh! Comment vas-tu, Margot? Viens, j'ai fait un beau dessin pour toi. C'est magnifique. Je vais voir tout de suite. C'est dans la chambre de ma mère. Ok. Je veux dire, c'est qui joue? Vendredi. Hein? Qui l'a lié là, moi? Nous connaissons très bien. Stéphane, faut relaxer. Faut relaxer, Stéphane. L'argent n'est plus femme. Faut relaxer, Stéphane. Pas femme, on a dit non, pas femme. Regardez, on va sortir là. Regardez, on va se mettre ça pour calmer la jambe. Sinon, on n'a pas de chose. Tu as un rendez-vous? Non, pas vraiment. Allons-y.
Hélène, je dis pas de paix. Il y a un bon bagage pour vous. Si tous les bateaux rentrent, t'as tout profité, ouais, si pas gagné, t'es intéressé. Ça me donne là, Olga, quelle est cette histoire de bateau? Ne me dis pas, ma chère, que tu vas acheter des choses de seconde main pour ta maison et pour toi-même. Hein? C'était une idée comme ça, juste une curiosité. D'ailleurs. Bonjour, madame. Yes, belle petite demoiselle, ça, pas de connaître. Ah, c'est une yes, moi, hein, petite, et j'ai même accepté mon Saint-Roch, là. Oh, ok. Bon diable. Vous prenez l'avant, Kounia? Bon, pas de monde dans le cas, là. Pas de quitter le pour compte, je m'oblige à prendre avec moi. Côté Gérard, mes amis, c'est pour vous donner un film haïtien, hein. Je sais pas, là. Mais, je vais vous donner un film sensible pour film haïtien. Je vais vous donner un film avec Gérard pour taper pour vous donner mon DVD, mais. Je vais vous donner un film qui a son copier, je n'ai pas besoin, là. Moi, si je veux voir, depuis que je suis avec une copine, je n'ai pas arrêté. Parce que ouais, ça, c'est malhonnête, ça, c'est méchanceté. Eh bien, ils n'ont pas voir même, oui. C'est pas vrai, non, Gilbert. Si on t'a filmé avec un partenaire, la main dans le sac, t'as fait la police arrêter, oui, même. À qui est-ce que tu penses à moi? À quand il va là? Mathieu, tu penses à ménage? C'est cela, ménage, mon cas, c'est plus triste. Bon, oui. Je ne crois pas ça, non? Si toi elle est fâchée que j'ai une belle mouille là, ou si moi-même, pas la fâchée l'aimble, non? On t'a fâché chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Franchement, son petit ange m'a devant moi, j'ai bien été moi-même. Bah, on va aller là-bas. Excusez-moi, j'ai bien arrivé moi pour ma mère. Excusez-moi. Ça m'a aidé à faire comme ça. Yo, c'est pas fort, on m'aime, pardon, on m'aime. Où est-ce que vous qui est? Ah, on quitte ça, ouais. Yo, là, regarde comme ça, ma gueule, ça fait, man. Comment ça me fait? Oui, c'est ça, mon nom, man. Regardez bien que c'est cousine, man. Oui, me connais. Il compte sur moi. En plus, il y a une affection sincère pour lui. Me quitte ça, man. Bon, dans la main, j'ai boule. Ça, chérie. C'est pour moi, c'est pour moi, man. C'est bon. C'est une très belle nièce que tu as là. Merci. Elle a quel âge? 22 ans. Tu as du pain sur la planche, ma chère, avec ces deux demoiselles. Ah, oui. Au fait, où elle est là? Elle n'est pas là. Au contraire, je pensais qu'elle était chez toi avec Patricia. Ah. Parlez, mesdames, yo bien, oui, Hélène. Jeune garçon, pas de prince, pas de chance. Olga, m'expliquez toute jeune fille ça qui est dehors. Vous voulez laguer quoi? Bah, jeune garçon bêtisé, ça c'est ça fait garder. Je suis entièrement d'accord avec toi. Là, quand même, tout, c'est moi qui commande. Pas de aucune petite qui parle pour n'importe qui, qui met chita dans le salon. Mm-hmm. 2% tout grand monde. Fais ou tout. Patricia bien comme ça d'ailleurs. Olga, ouais, je n'ai ça. Hein? Mm-hmm. Sous côté, elle va faire toute maladie. Mm-hmm. Ouais, moi-même, je ne vais pas trop contrôler là, c'est vrai. Mais puis, le problème, moi, c'est Gilbert, oui. Mm-hmm. Non seulement elle est sortie, je vais aller côté l'aller, mais elle a une équipe d'amis, je vais aller côté le barré avec elle. Bon, ça qui est dur là, c'est votre pas carré ici là. Non seulement Leila est à côté de elle, elle a tombé dans un zin avec elle, mais quand tu as Gilbert lui-même, c'est couché. Sois plus stick, Hélène. Ne laisse pas tes enfants te faire la loi sur ton propre droit. Bon, c'est pourquoi j'ai décidé d'embaucher Claudette. C'est pas Chita plein, Hélène. Mais ces dames, y'ont pas de monde encore. C'est pour mettre au Chita pour parler avec yo avant toi. Ta. Olga, ou pas ou même seule qui dit ça. Mais on pense que j'ai le temps pour contrôler les gens matin, midi, à souhait. Non, je suis pas capable. Ça fait franchement, l'homme était. Ah, je vraiment songé Gérald. Parce que je me dis, s'il était là. Tout le monde n'est pas d'accord comme ça. Dis-vous, messieurs, dames, yo, pas pitié encore, c'est pour mettre au chita pour parler avec vous avant trop tard. Je dois partir. Ah. Ok, gars, merci beaucoup. Merci. Je t'appelle si tu veux retourner pour du pain. Ok, mais dis-moi, tu seras à la maison plus tard? Petite, je te demande de faire là. Comme dans le goût, mais quand il y a un goût, mais on te fait le goût.
Il nous a dit c'est pas lui, non, encore que ouais. Faut mettre ta audition, puis nous t'as dit, ouais, on s'en va. Cadlé, là. Une garçon, il m'a pas loué, là. Yo, j'aime pas audacieux. On va pas là, avec. Adieu. Ma chère Mourodina, il m'a réfléchi du jeu. Et ça, ça m'a encore, hein. Mais c'est déjà ma solution. C'est pas une raison pour quitter. Vous dites que c'est la meilleure solution. C'est pas la meilleure solution, mais c'est une solution quand même. Ça fait depuis hier sur la PDV de Mbosa. T'as cliché chaud. Alors, pour de Giza. Ah, il m'a dit que c'est pas là avant, me dit non. Il dit qu'il va m'en prendre. C'est pourquoi vous voulez me faire ça, madame. Tu as reconnu la fille avec qui il était? Pour bien te dire, bah oui, là. Et non plus, ça m'a intéressé. Ça seulement, je connais, il s'est déjà pas existé pour moi. Vous aussi, c'est moi, mais quoi? Bertrand, il dit besoin. Attendez pour moi. Ah, mon Bertrand, oui, bonjour, vagabond, oui. Ma chère, je regrette de mettre mon caméra dans la main pour me faire photo. Franchement. Bah, il y a pas de décision, là, non, mais au moins, il faut que tu aies. Ça, je vous dis. Ça, je vous dis, je n'ai pas obligé de vérité, mais il faut que tu aies quand même. En tout cas, et pourquoi vous n'avez pas? Les malades, c'est du sang fait. Bonjour, comment vas-tu? Bien, merci, toi. Où est-ce au métier? Tu as vu ton ami? Non, hier j'avais rendez-vous avec elle. Elle n'est jamais venue. Bon, ça lui ressemble pas. J'espère qu'elle n'a pas un problème. Et toi, tu as pas de ces nouvelles? Je ne sais pas comment t'expliquer. Mais t'es avec moi hier. Elle m'a dit qu'elle devait aller chercher quelque chose pour sa maman. Elle n'est jamais revenue. Quand je me suis rendu chez elle, je l'ai trouvée un petit peu bizarre. Bien qu'elle m'ait dit qu'elle allait bien. Bon, dans ce cas-là, peut-être qu'elle a un problème. Au contraire, 2 heures de temps, on va noter très bien. À moins que... À moins que quoi? Ça va, je dois aller. Je dois aller à Lila. Ok, bientôt. À bientôt, j'espère. Ok, bye. Bye. Kounia, qu'est-ce que tu dis là? De quoi aller encore? La caille? Yo humilié ou yo maltraité ou, mais ça pas doit faire j'en laguer. Faut qu'on rive bien haut, bien loin dans ville. Ça c'est devoir, ça c'est destiné. Pas j'en gagne l'idée pour t'abandonner. Ça c'est devoir, ça c'est destiné. Mais pas quitter mon, mais fierté ou en papier. Ça c'est devoir, ça c'est destiné. Laisse ça si vous gardez. Allô? Comment vas-tu, Chris? Ça va, comment vas-tu? Ça va, et vous, toi? Très bien. Où est-ce que tu es? À Bourg. Super! De ce cadre de l'adresse. Ok. Attends, je vais noter. Je peux te parler? Bien sûr, cocotte. Vas-y, je t'écoute. C'est concernant Jimmy. Jimmy? Qu'est-ce qu'il a? Il n'est pas mort? Non, mais il est en Haïti. Et pourquoi ça te casse autant? Greg, est-ce que tu penses comme si je dois parler de Jimmy Alissa? Non, Jimmy est en Haïti, certes. Il a dit qu'il va venir ici. Il l'a dit à Stacy. Bon. C'est à toi de décider, Cess. C'est toi la mère de Lisa. Moi, tout ce que je veux, c'est tenir Jimmy loin de ma fille. C'est ce que je veux, moi. Je suis d'accord, mais il y a une chose que tu ne dois pas oublier. Lisa est sa fille. Et ça, tu ne peux pas le nier. Tu en as parlé à Robert? Pas encore. Vous avez mis la tampille, madame? Oh! En pile, Claudette! C'est ça qu'un pas fort, le papa Timon, de mon vie. Pour mon occuper plein de sable. C'est ça que tu es fâché comme ça, oui, les garçons t'es coupé pieds bois. Ouais, moi-même, me lever dans ces matins à faire plante pieds bois. Et malgré tout le temps que je n'ai pas au prince, j'ai toujours été proche de la nature. Ouais, ça fait pieds bois ça, yo.
Si on monte connaît l'importance, chaque fois que tu as planté au moins 6 yon dans la cour, au tapoué, Haïti t'a reboisé encore. Parce que ma psonge est l'un de tes jeunes filles. Haïti t'a fait en pile, oui. Chut. Et puis, quand l'autre bagaille nous a fait pied bois, ça y a planté. Quand pile là-dedans qui bon pour pile maladie. Ouais, Timon, moi, m'élevé dans ça. Ça fait même si je ne parle pas. Depuis que yon ne ou pas senti bien, avant même que la loi docteur, la pouvait entité. Sans dire assez pour nous, madame. Il y a pile dans pied bois, ça y a qui bon pour un pile maladie. Exact. Tant qu'on cachimon, qu'au sol, chadec, tout pied bois, ça y a, yon moun pata doué manke yon la kayo. Et puis, yon dernier bagay pour contrôler, Claudette. Bon, l'or est au centre, bouquet était fermé dans mi temps 4 murs. Tout le monde prendre de l'air. Ah, je réfléchis, moi, je suis un monde qui a une chance en pile. Papa Timon est mort, je viens de M. Marco, il vient de me planter. Même j'avais. Bonjour, M. Marco. Oh, comment est-ce que tu es? Moi, bien, vous-même. Allô? Je suis par ici, mon chéri. Pourquoi est-ce qu'on va faire de parler en ville? Oui, M. Marco. Comment a été ta journée? Bien, mais tu as l'air fatigué, toi. Oh oui, tu sais, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Hein. Le directeur général, tu sais, n'a pas la tâche facile. Il a au contraire beaucoup de boulot. Ah, ok. Rends-toi, il te faut un bon massage. Oh, dis donc, Hélène, où sont les enfants? Ils ne sont pas là. Oh, ils sont trop souvent absents, Hélène. Marco, je sais ça. Et ça me fait justement penser que je dois vraiment réfléchir à ta proposition. À ma proposition? Laquelle? Oui, qu'on se marie toi et moi et que tu viennes habiter avec nous. Oh non, chérie. Mmh. Madame. Je t'aime aussi. Je parie que tu n'as rien pris au bureau. Ok, je le savais. Allez, viens. Claudette, vu que j'ai trouvé la boule de chapeau, s'il te plaît. Oui, madame. Il m'a bien dit, figure-toi, que tu ne voudras pas le revoir ni même entendre parler de lui. Ça est une petite fille intelligente. Il est temps que tu lui parles de son père. C'est-à-dire son père biologique. Samedi, il sera là. Chérie, tu sais, des fois, il y a des choses qu'on a gardées pour soi. C'est juste pour ne pas souffrir. Mais pourquoi est-ce que tu pleures? La vie est comme ça, chérie. Il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer. Tu ne pleures pas, ma chérie. Mamie réfléchit. Tu ne dois pas être triste. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi, ma chérie. Lisa, je dois te confier un secret. Robert n'est pas ton papa. Je sais, mon père s'appelle Papy Grégoire. Non, non plus. Ton père, c'est Jimmy. Qui est Jimmy, mamie? Ton papa, chérie. Où est mon papa alors? Tu le verras un jour. Je n'ai pas de papa. Mon papa s'appelle Papy Grégoire. Mamie sera toujours là pour toi. Toujours. Darlene? Darlene? Tu viens de l'envoyer, maman. D'accord, j'arrive, chérie. Jamais te laisser piétiner, oh, oh, oh. Ça c'est devoir, ça c'est destiné. Pas j'en gagne l'idée pour t'abandonner. Ça c'est devoir, ça c'est destiné. Mais pas quitter monde, mais fierté ou en papier. Ça c'est devoir, ça c'est destiné. Dis-moi si vous parlez quoi. Gardez dans le cœur ou c'est moi, où est dans la vie à mener.
que vous avez souffert.